Une langue d'acier creuse une tombe en fond. Je fuis, je m'enfuis, je me méfie. Non, mais on peut hésiter avec. Mais j'ai peur de pas savoir respecter une consigne. Tu oses, c'est balèze. Au bord de l'eau, une pause pour rendre hommage à ta cause. Reste à ta place ou à leur trace, mais dépêche-toi. Se taire. Essaye quand même de trouver ta place. Dis-moi, en Syrie, vous écrivez aussi de la poésie. Vire ton col roulé, ose la peau nue. Ose te jeter à l'eau, ou pas. Les parleuses. Littérature, etc. présente Les parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Aujourd'hui, pour nous, c'est la 32e séance des parleuses. C'est un projet qui souhaite revisiter l'histoire de la littérature en invitant à chaque fois une autrice contemporaine à parler d'une autrice qui, pour elle, est historique. On a traversé ce matin un atelier d'arpentage et un atelier d'écriture. Un grand merci à Julie Gilbert pour l'invitation, à Lynn Briggs-Rousseau, au Bain des Paquis. Lynn Briggs, voilà, gros big up pour l'organisation. Merci à la technique, merci à Florian et merci surtout à Marina Skalova d'avoir accepté notre invitation et de nous faire découvrir Yanka Diaghileva, autrice sibérienne russe. Pour dire quelques mots de toi, Marina, avant que tu nous parles de Yanka Diaghileva, tu es née en 88 à Moscou, tu es écrivaine et traductrice littéraire. Tu écris de la poésie, du théâtre et des ovnis qui explorent les trous noirs entre genres littéraires. Tu as été lauréate du prix de la vocation en poésie pour le recueil bilingue Atom Note, Souffle court, paru au Chêne. Tu as ensuite publié Exploration du flux, qui est publié au Seuil. Puis Silence d'exil avec Nadia Abadi. Tu as été finaliste du prix des lycéens Coltès au Théâtre National de Strasbourg pour ta pièce de théâtre La Chute des comètes et des cosmonautes, qui a été créé au Poche à Genève en 2019 et qui vient d'être mis en scène en allemand au théâtre G7 à Mannheim, où tu étais encore hier. Ton dernier texte, Tu te souviens des phrases, est un collage autour des violences patriarcales et tu as récemment participé à deux anthologies, Lettres aux jeunes poétesses et Madame tout le monde, publiées au Corridor Bleu. Tu traduis actuellement des livres de poétesses féministes russes, dont Galina Rimbu, qu'on peut retrouver dans l'anthologie Madame tout le monde. Et tu travailles depuis 2019, par ailleurs, sur un immense chantier sur la non-place des femmes en Russie soviétique. Le texte inédit que tu as écrit participe à ce chantier. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Bonsoir. Bonjour. Donc j'ai écrit un texte qui s'intitule « Yanka Diaghileva, trouer la brume du paradis ». Et pour commencer, je vous propose qu'on écoute Yanka Diaghileva, qui était poétesse, chanteuse et guitariste, et musicienne. J'ai traduit ce texte, on l'a traduit ensemble lors de l'atelier d'écriture de ce matin. C'est un texte dont le titre reprend un vers de Pouchkine, qui le vers c'est « Tristesse, ma lueur ». Et ensuite, je le répète mille fois et encore, « Personne ne sait que j'en chie à mort » et « La télévision qui tombe du plafond, personne ne sait que j'en chie à fond ».
Putain, fait chier, mais tellement marre. Envie de tout reprendre au point de départ. Ce couplet est triste, et une fois encore, je répète, putain, j'en chie à mort. Yanka Diaghileva surgit au milieu des années 80 sur la scène rock de Novosibirsk, en Sibérie. Je n'ai jamais été à Novosibirsk. Ce que je sais de Novosibirsk, barre d'immeubles à perte de vue, forêt de sapins qui s'étendent. De grandes avenues blanches, des ladas et des voitures plus pourries que ça, des gigolis, des aparojets, des cheminées d'usines et de grandes collines enneigées à dévaler en courant et en criant, boule de neige à la main. En entendant Sibérie, les Russes pensent souvent d'abord aux déportations forcées. Staline a dépeuplé les grandes villes soviétiques en envoyant ceux que l'on soupçonnait de liberté de pensée, les présumés ennemis du peuple, dans les camps de travail des confins du territoire. Staline a peuplé la Sibérie en dépeuplant d'abord l'Ukraine et la Biélorussie, en envoyant les soi-disant koulaks, grands paysans accusés de saboter les récoltes, labourer ces terres éloignées. Staline a aussi peuplé la Sibérie en y bannissant les peuples qu'il voulait chasser pour des raisons ethniques, les Tatars, les Tchétchènes, les Ingouches, les Kalmouks, les Balkars, les Tarachaïs, les peuples baltes, les Allemands, les Polonais, les Finnois, les Coréens, déportés dans une grande violence, condamnés à travailler dans la métallurgie, la production de machines industrielles, puis le nucléaire. Il réservait l'extraction des métaux aux détenus des camps de travail. Un territoire pas fait pour y vivre, caniculaire l'été, dont les températures descendent jusqu'à moins 30, moins 40 l'hiver, où siégeait la production industrielle soviétique, où siège toujours la production industrielle russe. Usines chimiques, usines thermiques, usines d'étain, usines de concentrés chimiques produisant du combustible nucléaire, usines d'équipements miniers et mécaniques, usines de dispositifs optiques, usines de sacs à plastique, stations hydroélectriques, usines académiques aussi, avec la cité universitaire d'Akademgorod et sa myriade de facultés. L'air manque, la fumée encombrée de métaux lourds et déchets chimiques emplit l'atmosphère et bouche les voies respiratoires. Les villes sibériennes sont des colosses de plusieurs millions d'habitants, des villes périphériques de la taille d'une capitale européenne. Yanka Diaghileva est née en 1966. C'est l'année de naissance de mes parents et j'aimerais réussir à en dire autre chose, détacher cette année de ses connotations privées qui ne disent rien à personne sauf à moi. En 1966, Gagarine est déjà revenu de son premier tour dans l'espace. Il commence à grossir et on le rétrograde, il devient la doublure d'un autre cosmonaute. En 1966, l'URSS commence tout lentement à se dégeler, mais le dégel n'arrive pas jusqu'en Sibérie. Pour cela, il faudra attendre le réchauffement climatique. Mes parents naissent à Moscou dans une famille d'ingénieurs. Yanka Diaghileva naît à Novosibirsk dans une famille d'ingénieurs, pas du tout aisée, avec laquelle elle vivait dans une simple maison en bois, une isba traditionnelle, comme dans les contes russes. Elle étudie dans le meilleur lycée de Novosibirsk, l'école numéro 42, n'aime pas les sciences exactes qui sont l'alpha et l'oméga de l'enseignement russe, s'intéresse à la littérature, écrit des rédactions brillantes. Elle étudie la musique au conservatoire, mais finit par claquer la porte. Elle commence des études d'ingénieur du transport fluvial. En URSS, quand on avait un cerveau, il fallait faire ingénieur. Il y avait beaucoup de débouchés pour les ingénieurs. L'ingénierie de l'eau, l'ingénierie du gaz, l'ingénierie des transports, l'ingénierie du pétrole, l'ingénierie des bâtiments, l'ingénierie des ponts, l'ingénierie des armes. Il fallait être un génie utile à la production du régime, s'ingénier à l'être, faire preuve d'ingéniosité. C'est ce que Yank a fait. Elle arrête ses études au début de la deuxième année. Elle écrit des poèmes et des chansons, les griffonne sur un bout de table pendant les cours. Au milieu des années 80, elle rencontre de premiers chanteurs de rock, Alexander Bakhlatchov notamment, une rencontre artistique et humaine marquante.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'elle, on parle souvent d'abord des hommes qui ont été importants pour elle. Elle était pourtant bien plus intéressante et plus talentueuse. Elle avait simplement besoin de rencontrer les artistes qui lui donneraient l'élan de se lancer. La Sibérie des années 80 était encore un système clos et totalitaire. La perestroïka, initiée par Gorbatchev, qui ambitionnait de transformer l'économie soviétique en économie de marché, en ouvrant des libertés aux citoyens russes au passage, a mis un peu de temps à arriver en Sibérie. Les textes de Yanka Diaghileva jaillissent d'un univers quadrillé où chaque excentricité, chaque écart au comportement prescrit menaçait de vous envoyer en prison ou en asile psychiatrique. La psychiatrie soviétique était une psychiatrie de correction, une psychiatrie répressive qui punissait les comportements dissidents. Avant de chanter en public, il fallait faire autoriser les paroles de ses chansons par un comité de censure. Tout achat de livres, de CD, de vêtements, de voitures était réglementé. Tout achat de marchandises venues d'Occident était réprimé. Une chanson de Yanka de 1987 donne un aperçu de cet univers. Donc là, on va l'écouter, mais sous forme de poème. Как жить на собрании подскажут, что пить почитаю указе, что есть в полезных советах. Указ прочитаю три раза и два о крылатых ракетах. Где жить, разузнай в исполкоме. На что? Разве это важно? Что петь тебе скажут в горкоме. Борцом будь за мир отважным. С кем спать? Спроси у ячейки. Дадут там ответ достойный. Позором клейми недоделки. Нет, крикни звездным воинам. Что не так? Обратись в газету и в радиопередачу. Помогут отцовским советам. И недруги все заплачут. Зарплату отдай фонд мира. Пусть в мире смеются дети. С начальством будь скромным и смирным. Оно за тебя в ответе. Вступай в ДСА скорее, крепи страны оборону. В месяц 30 копеек и за оборону спокоен. Партии нашей слава, пройдя, поклонись обкому. Да здравствует наша держава, великие наши законы. В жизнь Ильича заветы, вперед с нами алые стяги. Все мы за мир в ответе, поднимем повыше флаги. Comment vivre? On te le dira en réunion. Boire quoi? T'as qu'à lire Lucas. Manger quoi? Rubrique conseil utile. La vie mode d'emploi. Lis Lucas trois fois. Et deux fois le papier sur les fusées ailées. Où vivre? Va te renseigner au comité. Avec quoi? Quelle question futile? Chanter quoi? Le parti va te l'indiquer. Sois un guerrier, rends-toi utile. Avec qui coucher? Demande à la cellule. On t'y donnera une réponse conforme. Chaque indécence te couvre de honte. Crie non aux guerres des étoiles. Quelque chose ne va pas, adresse-toi. Au journal ou à l'émission de radio, on t'aidera d'un conseil paternel qui fera pleurer les inamicaux. Donne ton salaire au Fonds mondial. Rends heureux les enfants du monde. Sois humble et discret avec ta hiérarchie. Elle est responsable de toi, n'oublie pas. Dépêche-toi d'entrer au DOSAF pour renforcer la défense du pays. 30 centimes par toi, par mois, l'armée veille. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Un autre parti, la gloire, incline-toi devant le comité général. Nos grandes lois font l'histoire, vive notre puissance mondiale. À la vie d'Ilitch, au précepte de Lénine, en avant-marche, drapeau rouge, hissé haut. Le monde est entre nos mains, à tous, nous brandissons nos drapeaux. Yanka décrit une république de conseil, l'Union soviétique. L'Union des soviets voulait justement dire Union des conseils, où il était impossible de se mouvoir sans le conseil bienveillant d'un père, d'une grand-mère, d'un officiel, où chaque geste devait être recommandé, chaque initiative validée ou sanctionnée. Les agents du KGB rôdaient, ils s'ennuyaient, ils avaient des cartes et des dossiers à remplir, de la paperasse à tamponner, les services secrets n'étaient pas encore passés au numérique. Au bord des pôles, il y a des milliers de kilomètres de rien, ou de presque rien. Dans ce presque réside la différence. Le presque est la brèche d'où le punk peut surgir. Le punk est la pièce déficitaire, le produit manufacturé qui
qui fait dérailler la chaîne de l'usine. À l'échelle de la Russie soviétique, c'était un phénomène unique. À Leningrad et à Moscou, il y avait le rock dissident. En Sibérie, il y avait une scène de punk, mal peignée, sincère et incontrôlable, qui trouait la brume industrielle sibérienne. En 1984, Igor Letov fonde le groupe Grajdanskaya Obarona, ce qui veut dire défense civile. En 1987, Yanka Diaghileva rencontre Igor Letov. Ils ont tous les deux de besoin de déborder hors de ce système codifié. Ils écrivent, font de la musique ensemble, voyagent aux quatre coins de l'Union soviétique, se donnent en concert dans des appartements, jouent dans les cuisines, dans les caves. C'est un mouvement souterrain, bien plus souterrain que le punk anglais ou américain qui entre alors dans les grandes salles de concert. À Londres, pendant les mêmes années, le punk commence à mourir. À Omsk, Novosibirsk, Tiumen, Angarsk, Kiev, Kharkiv, Simferopol, Leningrad, Moscou, Vilnius, Yanka Diaghileva et Igor Letov chantent Strana Durakov, pays d'abrutis, à s'en trancher les cordes vocales. Les phrases étaient des lames. La dictature a un impact sur la liberté de s'enfoncer des épingles dans le nez. Ces punks-là ne portaient pas de crête et de veste à clous. Accoutrés comme ça, à peine on était sorti de son hall d'immeuble qu'on se faisait déjà passer à tabac au coin de l'immeuble voisin. Mais ils se plaçaient en opposition totale, une opposition absolue, métaphysique, à tout ce qui les entourait. Ils faisaient une musique sale, bruyante et rapide. Cette musique était un acte de révolte existentielle, seule façon de survivre dans un univers moribond où l'anéantissement se condensait en particules de silence épais, ne parvenant pas tout à fait à faire oublier les corps envoyés ici en quantité industrielle, exténués dans les camps de travail, dont on cachait la lente décrépitude, le délabrement, la gueule ouverte, les tissus se désintégrant tandis que le cœur battait encore poussivement aux habitants des grandes villes, là-bas, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Cette région où la violence politique était partout, palimpseste de cadavres, décomposés sous les forêts de pins. Comment avoir 20 ans quand on grandit là? Comment ne pas devenir un mort vivant dès la sortie du lycée? En tant que femme, la voie était toute tracée. Devenir un maillon du système, donner naissance à de futurs soldats, reproduire la nation. Dans les années 80, la contraception n'était pas encore arrivée en Union soviétique. À peine adultes, les filles étaient déjà mères. Il fallait oser prendre les chemins de traverse pour marcher sur les rails du tramway. А мы пойдем с тобою погуляем по трамвайным рельсам. Посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубозавода. Путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за две секунды зарываться в землю, чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собой тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят на пороге синие фуражки. Если встретят, ты молчишь, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам.
sur les rails de tramway. Toi et moi, on ira se promener sur les rails du tramway. On s'assira sur les tuyaux au début de la route du périph. Notre vent chaud sera la fumée noire des cheminées d'usine et notre étoile du berger, le feu rouge avec son phare orange. Si on y arrive, avant cette nuit, on ne rentrera pas dans nos cages. En 2 secondes, on doit être capable de s'enfouir sous terre. On restera couché, on se fera rouler dessus par les voitures grises. Elles emporteront ceux qui ne savent pas se prélasser dans la crasse. Si on a le temps, on continuera à glisser sur les traverses. Tu verras le ciel et je verrai la terre depuis tes semelles. Si jamais un jour on rentre, faudra brûler toutes nos fringues. Si une camionnette bleue ne nous ramasse pas sur la route. S'ils viennent, ne dis pas qu'on s'est promené sur les rails du tramway. Ce sera le premier signe d'infraction ou de schizophrénie. On aura droit au portrait souriant de Félix Defer Dzerzhinsky. Ce sera très long, et ce sera sûrement très juste. Une punition pour nous être promenés sur les rails du tramway. La juste punition pour avoir marché sur les rails du tramway. On nous tuera pour nous être promenés sur les rails du tramway. On nous tuera pour nous être promenés à deux sur les rails du tramway. Yanka Diaghileva est la seule femme dans l'univers du punk sibérien, la seule, loin à la ronde. Elle s'impose dans un monde peuplé d'hommes exclusivement qui font parader leur voix rauque et musclent leur virilité derrière leurs instruments. Dans ce monde, on attend de Yanka qu'elle prépare le thé et passe la serpillière. Yanka refuse de préparer le thé et de passer la serpillière. Elle s'assoit parmi les mecs avec sa guitare acoustique et elle chante ses chansons. Elle le fait avec grâce, elle boit des coups, elle s'entend bien avec tout le monde. On l'appelle Khachatushka, la rigolarde ou la ricaneuse, ça devait dépendre des jours. Mais son talent est si évident qu'il éclipse le reste. C'est une tempête solaire, la lumière si forte qu'elle vous emporte dans son tourbillon. Ses chansons font entendre une poésie étrange et énergique, ciselée sous l'influence des étoiles de la poésie russe, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova. Yanka Diaghileva écrivait avant que l'écriture objective n'arrive jusqu'en Russie. Personne ne corrigeait les métaphores de Yanka Diaghileva. Ses images étaient des fulgurances où la saisie du monde par le prisme des sonorités de la langue était créatrice de sens. Elles étaient à la fois construites et sauvages. Elles étaient nourries par le futurisme, le symbolisme, les grands ismes de la poésie russe. Et en même temps, elles n'en avaient rien à foutre. Elles faisaient du punk. Ce sont des étoiles qui tombent du ciel, les mégots de l'étage du dessus. Assise là, en chemise grise, je contemple par la fenêtre. Mère, patrie, civilisation de Russie. Ce sont des formes tragiques, des formules et des signes. Savoir un signe et cruauté de ces villes de débauche, les chauffeurs de taxi fiers au rythme de la musique. En chemise grise, le vent me grise, je n'ai pas pitié de la patrie. Avec Egor Letov, ils sont les éléments déclassés. C'est le titre d'une chanson que Yanka Diaghileva écrit pour le groupe Grajdanskaya Barone, Défense civile, l'une des rares chansons présentées comme une chanson en duo. Assez vite, leurs disputes deviennent explosives. Le couple vit sans cesse au bord de la rupture. Yanka cherche à monter son propre groupe et à développer son projet en solo. Du punk, elle garde l'intensité, la décharge d'énergie à une puissance maximale. Ses chansons mêlent le rock et le folk. Dans ses paroles, dada et réalisme magique se rencontrent. Sa poésie est un feu d'artifice. Ce sont les cris fusant la nuit à l'heure où on vous impose de dormir, entrecoupés d'aboiements, de feux de joie. Cela ne veut pas rien dire. Parfois le sens est là, parfois il se désagrège. Ça fait partie de la poésie. Ça fait plus de 100 ans qu'on vous le dit. Meute de loups, ouvrez la voie. Chien de chasse, hors des bois. Mur sain de toi, nuit de clair-obscur. Laisse-moi devenir une belle ordure. Être un animal à la fourrure nerveuse, devenir maelstrom aux eaux boueuses, crever de faim ou bouffer, être une petite conne ou penser. Tiens, un balai, hop, je file en ville, dehors.
où les ponts sont faits de pierre et d'or. Un bon lieu où mourir, peut-être de faim, peut-être de froid. Les textes de Yanke ne sont pas toujours transparents. Leur écriture est décousue et certains liens de causalité peuvent parfois paraître obscurs. Leur logique est d'abord sonore. Par exemple, dans le poème que je viens de lire, faim se dit golot en russe et froid se dit holot. Il y a, là c'est à une lettre près, et il y a des rimes, des assonances, des allitérations et surtout une extrême attention à la musicalité de la langue et un travail sur les sonorités des mots russes. Le passage d'une phrase à la suivante se fait souvent à une seule lettre près. Jean-Baptiste Parra, qui a aussi traduit des poèmes de Yanka Diaghileva, disait « Face à un poème, on est face à un incendie, on ne peut pas tout sauver. » Les vers de Yanka sont d'une telle concision qu'ils imposent parfois de trancher entre le son et le sens. « Odzakriter dviyei, dozariter zviyei. » Yanka Diaghileva est la reine de l'antistrophe. Ces vers sont des sortes d'anagrammes, souvent composés de deux parties, où elles permutent deux lettres ou deux mots. Des portes fermées aux animaux enterrés. Essayez de dire ça en français en changeant simplement deux lettres entre la première et la deuxième proposition. Des portes claquées aux clapiers de bêtes tuées, ou des portes qu'on claque aux bêtes qui claquent, ou des portes claquées aux bêtes clamsées, ou des portes claquées aux bêtes trappées, ou des portes qu'on claque aux cohortes qu'on plaque. Des phrases en deux parties, faites de presque les mêmes mots, à quelques lettres près. Finalement, je choisis des terres embêtées aux bêtes enterrées. Tant pis pour les portes fermées, qu'elles le restent. Je garde les animaux enterrés et le procédé d'inversion sonore. Le sens bouge un peu. La traduction le rend instable. Mais peut-être l'était-il déjà. Pour de nombreux textes de Yanka Diaghileva, les éditeurs ont laissé différentes versions apparentes. Le côté expérimental des textes leur donne un côté inachevé. Il n'y a pas de système, certaines chansons sont en vers réguliers, souvent la métrique est un peu lâche, certains vers boitent un peu, c'est filoche. Quand on traduit aussi un geste. Dans les chansons de Yanka, le travail précis sur les sons et les images laisse parfois affleurer un brin de je m'en foutisme, ou en tout cas plusieurs versions possibles. À défaut de pouvoir tout sauver, j'essaye au moins d'être fidèle au geste du do-it-yourself. Fais-le toi-même, prends une batterie et tape dessus, traduis la poésie avec les moyens du bord. Nous sommes en 2022. Je n'ai jamais été à Novosibirsk et Gorbatchev vient de mourir. Je suis née en 1988 à Moscou. Les chansons et poèmes de Yanka Diaghileva datent de l'année de ma naissance. Je ne l'ai découverte que beaucoup plus tard. Dans les années 90, mes parents étaient encore soviétiques. J'étais une enfant soviétique qui grandissait hors de son aquarium. Un poisson lâché dans la forêt, sur une terre parsemée de feuilles sèches et branches brisées, qui se propulsait en avant par la force conjuguée des muscles du cou et de la queue, comprimant ses nageoires pour se glisser en avant par de larges embardées. Des jets en avant plus que des bonds, des projections hasardeuses vers l'inconnu. À 10 ans, je portais des jeans élimés et une veste en jean, pour faire comme mon père qui portait des jeans élimés et une veste en jean. Son dress code était celui de tous les garçons soviétiques. Ils empruntaient autant aux rêves américains qu'à la culture des bandits des années 80 et surtout 90 en Russie. Des petits voyous qui passaient leur journée au garage ou dans des casses automobiles. Ils dévissaient les pièces des voitures accidentées pour les revendre quelques mètres plus loin. J'avais été biberonnée aux cassettes audio que l'on écoutait dans la voiture avec mon père. Des chanteurs russes, exclusivement masculins, à la voix éraillée, dont les morceaux romançaient la galère, la tôle, les bastons. Ils racontaient les voleurs au pouvoir, les bandits de grand chemin, les guerres dont on ne revient pas. En français et en allemand, les langues que je parlais à l'école, il n'y avait pas de langue pour décrire ce monde-là. Il n'y avait pas de femme dans ce monde-là et le passé qui était le mien était effacé. Les cultures qui m'inspiraient étaient des cultures masculines, des cultures de l'Ouest qui venaient du bas mais qui s'appropriaient le culte de la force d'en haut pour retourner le stigmate. C'était le rap et puis c'était le punk. Je m'habillais comme les hommes, je voulais être du côté de la force. Je réfléchissais peu à ma condition de femme, au fait d'être une femme. Plus tard, quand le punk est devenu mon univers,
j'ai découvert les Riot Girls, les groupes de punk féministes. Elles dégageaient une puissance incroyable. Elles étaient minoritaires dans l'univers du punk qui restait un univers masculin, violent, souvent sexiste, bien qu'il ne s'assumât pas comme tel. J'avais des cheveux verts et roses, la tête rasée à moitié. Quand je retournais en Russie, des vieilles mamies inconnues me hurlaient dessus dans la rue. Elles me disaient de rentrer chez moi me changer. Elles disaient que je ressemblais à un épouvantail. Je ne pensais pas que, là d'où je venais, il y avait des jeunes femmes comme moi qui écoutaient du punk, qui faisaient du punk. Le punk était une culture de losers, et nous, les soviétiques, nous étions des losers en Occident. Je ne savais pas que la culture punk avait pu s'exprimer dans l'univers de l'Union soviétique vieillissante, que cette énergie, cette puissance, avait pu y trouver une place. Dans le monde où j'avais grandi, il n'y avait pas de femmes, et mon passé était effacé. Adolescente, j'aimais le rock, les vestes en cuir, les odeurs de clopes et la bière en canette. J'ai découvert Yanka Diaghileva trop tard, alors que j'étais déjà adulte. J'aurais adoré pouvoir l'écouter à l'adolescence, qu'elle m'accompagne. Yanka Diaghileva était de la génération de mes parents. Ce sont les mêmes photos en noir et blanc, le même genre de coupe de cheveux sur les photos, le même grain, les mêmes contrastes. Quand j'ai découvert Yanka Diaghileva, j'ai eu la sensation étrange de rencontrer une fille qui me ressemblait dans le passé de mes parents, celle d'une Union soviétique dont le capot ouvert donnait sur un moteur refroidi et un dédale de pièces détachées. J'ai commencé à écrire en écrivant des chansons de punk à 14, 15, 16 ans. J'écrivais des textes plutôt énervés. Je crois qu'il y avait des métaphores venant de la vie urbaine, des trottoirs, des métros, des chaussures, de l'essence, des matraques, des cellules de garde à vue, des camions et des chiens. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Je crois que ces textes parlaient souvent de prison, réelle ou symbolique. Je ne sais plus. Ces textes sont un souvenir. Ma mère avait jeté l'ordinateur sur lequel j'écrivais. Il était trop vieux. Elle croyait qu'il était cassé. Mes textes étaient dessus. Tant pis, j'en ai écrit d'autres. On se réchauffe plus aisément à la lueur des souvenirs que face à la lumière de l'écran. Certains ordinateurs gardent la mémoire des vieilleries qu'on a écrites. La nostalgie s'active après qu'on ait jeté les choses à la poubelle. Aujourd'hui, quand je traduis Yanka, je découvre quelque chose de cette écriture. Je la redécouvre. La sensation de retrouver une vieille copine perdue de vue depuis 20 ans. Pas Yanka, la vieille copine. Mais cette écriture-là, plus ou moins rimée, avec des rimes simples, parfois sommaires, élaborées dans les images, sincères dans la rage. Une poésie punk. La mienne était entrecoupée de décrochements lyriques qui ne cadraient pas du tout avec le délire général. Celle de Yanka est plus subtile. Elle évoque les nuits où l'on court sur l'asphalte, les grands rires qui percent le silence des cités dortoirs, les vadrouilles. Elle est traversée d'éclats, de bruits de tessons, de postes frontières, de gyrophares, de visions fulgurantes, d'éléments fantasmagoriques, d'êtres mythologiques. Elle donne envie de marcher sur les fils électriques. Ses textes emplissent l'espace étriqué où elle vit, où la pensée n'existe qu'entre des bornes étroites et où un esprit bien formé, capable d'exercer une pensée critique, vous envoie droit derrière les barreaux. Большого ума лишь с ума до тюрьма, от лихой головы лишь канавы и рвы, от красивой души только струпья и вши, от вселенской любви только морды в крови. Открытых столов до пробитых голов, от закрытых дверей до зарытых зверей.
шершавым крылом, ночь за круглым столом. Красно-белый плакат, эх, заводи самокат. Да по столу постучать. Ведь от большого ума лишь с ума да тюрьма. От лихой головы лишь канавы и рвы. Un esprit bien formé, juste bon à se faire coffrer, une furieuse audace dans le fossé se fracasse. Toute la beauté de l'âme que teigne époux infâme, et l'amour en grand ne rime qu'avec gueule en sang. Sous un drap dans le vent, la rosée qui s'étend, des idées sans matière aux invités sans chair, des terres embêtées aux bêtes enterrées, de la table bien dressée à la tête transpercée, près de la voie ce soir, le vol d'un spoutnik noir. Il sauvera, apaisera, la paix il nous apportera. Sous un perron rugueux, des palabres ruineux, une affiche rouge et blanche, savon sur la planche. Le peuple se met en route pour un absurde raout. Au conseil des peuples du monde, nos inepties immondes, inondes, inondent. Imposer sa volonté dans une région aseptisée, s'asseoir sans dire un mot et taper sur le tableau, car un esprit bien fermé, bon qu'à être enfermé, une furieuse audace dans le fossé se fracasse. C'est un texte de 1988. En Russie, être une femme signifie encaisser. Les textes de Yanka font entendre la violence russe, la violence quotidienne russe, qui est la violence de l'intimité, la violence à l'intérieur du foyer, de la table bien dressée à la tronche tabassée, ou de la table bien dressée à la tête transpercée. À nouveau le casse-tête de la traduction, ot nakriter stalov, do prabiter kalov, c'est quasiment une comptine, nakriter dressé, prabiter transpercé, stolov les tables, golov les têtes, c'est une horlogerie poétique, une machine efficace, une anagramme sordide et logique. Et puis il y a ce vers, от вселенской любви только морды в крови. Il y a la rime évidente de любви, l'amour, et крови, le sang, la gueule en sang. Et l'amour en grand ne rime qu'avec gueule en sang. Tu crois être une super chérie, c'est une supercherie. Vive le grand amour, gueule en sang toujours. De toute façon, chérie, tu vas saigner. Mamie, pourquoi tu m'avais dit de toujours garder une poêle sur mon lit? En Russie, on dit «Бьет, значит любит». S'il te frappe, c'est qu'il t'aime. Ce vers, c'est une référence à une chanson du groupe Défense Civile, le groupe des Gorletov, dont Yanka Diaghileva a fait partie. La chanson du groupe s'appelait «Вселенская большая любовь», le grand amour, l'amour absolu. Dans les commentaires sur YouTube, un homme précise que cette chanson le fait pleurer. Yanka Diaghileva apparaît d'abord dans l'ombre de cet homme, Igor Letov, dont les chansons d'amour font pleurer les hommes russes sur YouTube. Et puis elle prend sa place, aussi pleinement que possible. Les amis du groupe affirment qu'Igor Letov a toujours cru en son talent. Les amis du groupe prétendent qu'Igor Letov a toujours mis Yanka en avant. Sans être porté par un homme, on ne faisait rien, aucune chance. C'était pareil en France dans les années 80, c'était d'autant plus vrai en URSS. Igor Letov aurait-il accepté que Yanka lui fasse de l'ombre? On sait que la relation du couple était fusionnelle et difficile. Voici un poème que Yanka écrit à Omsk, une autre grande ville de Sibérie,
celle dont venait Igor Letov. Repose-toi, je me tais, je suis en bas, sur le côté, je suis dans le coin, où on se tait, tout au bord. Le bord est quelque part, l'enfer est quelque part, l'Éden n'est nulle part. Voilà le bord, l'enfer c'est là, l'Éden est par là, il n'y a rien là-bas. La tête sur le seuil, ferme la porte, ne regarde pas, tu tomberas d'une tour si le vent est dedans. Sinon tu seras une pierre, couchée sous la montagne, là-haut près de la lune, du festin des goules. Maintenant je ne sais pas, si je tombe, je m'envole. Pas la force de m'envoler, pas envie de me coucher. La nuit tombée, je crierai, me détournerai, me bercerai. De toute façon, avant l'aube, je m'écraserai. Je frapperai à toutes les portes. Je marcherai là où vous n'êtes pas, juste comme ça. Je croiserai peut-être quelqu'un en chemin. Je m'inclinerai vers le sol, la tête sur le seuil, pour la troisième fois. Plus que deux jusqu'à cinq, encore trois, ça fera six. La peine sera tombée, il faudra la purger. Dur de rester allongé là, si j'avais la force de m'en aller, ou de descendre, de m'éloigner du bord, un tout petit peu, d'un mètre au moins, m'asseoir, souffler et fumer. Peut-être que l'esprit se baladerait, peut-être que l'âme migrerait. Repose-toi, ce n'est pas toujours simple avec moi. Je ne suis pas qui je suis. Pour l'instant, je suis loin. Je suis en bas, sur le côté. Je suis tout au bord. Omsk, juin 1987. Les textes de Yanka Diaghileva sont plus complexes qu'ils ne paraissent au premier abord. Ils expriment le sentiment de punition, de relégation au bord dans cette contrée, tout au bord. Ces textes allient le folklore sibérien et des éléments de réalisme magique avec une soif d'envol et de liberté et un esprit no futur. Yanka est très lucide sur les promesses du paradis capitaliste qui commence à déferler sur l'Union soviétique vieillissante. Elle déteste l'argent. Elle n'en a pas et ne fait rien pour en avoir. Elle refuse d'être payée à la fin de ses concerts. Dans une lettre de la fin des années 80, elle dit tout le mal que lui inspire l'arrivée du capital dans le monde de la musique. Elle pressent déjà que l'avenir de son métier s'appellera « Vends-toi ou crève ». Le paradis est par là, dit-elle. On nous dit qu'il est par là. Il n'y a absolument rien à faire là-bas. Laissez tomber, il n'y a rien à voir. Dans la chanson « Les Diablotins », l'une de ses dernières, datée de 1990, on dirait qu'elle sonne le glas des illusions liées au changement de système. On entend résonner la fin de l'Union soviétique, mais surtout le fait qu'elle ne croyait pas à la terre promise, au monde meilleur qui naîtrait sur les ruines de l'ancien. Plus loin, plus grand, ce n'est pas ce que l'on croit. Plus loin, plus grand, près du début, près de la fin. Arrête tes délires, allez, s'il te plaît, ne crève pas. Toi et moi, bientôt, on verra naître une nouvelle terre, une autre forme de pierre, premier jour d'une nouvelle ère. Oh, les nouveaux jouets si beaux que nous amène Tata. Mais à l'hôpital, l'enfant est malade, il est mourant. Il a bouffé trop de lumière blanche, un sourire, il est parti. Il n'a pas compris qu'enfin, tout irait vraiment très bien. Les loups hurlent, les vents portent, les diables savent, les diables dorment. Oh, les beaux buissons verts, jardin d'Éden que la douleur orne. Черты знают, черты спят.
девушка. Дальше ближе станет все вот до конца. Ты кончай такие штуки, ты давай не подыхай. Мы с тобой увидим скоро, как рождается земля. Новой каменной породы, новой эрой первым днем. Он не понял, что по правде-то все очень хорошо. У меня оторванный, доброшенный, отрезанный ломоть. Au début d'un concert, on l'entend dire « C'est moi qui compose et qui écris mes chansons, et j'ai rien d'autre que ça. » En réalité, seule une toute petite partie de ses poèmes a été entendue par le public. Elle n'a rien publié de son vivant. Ses poèmes ont été recueillis par ses proches. En 1994, Igor Letov publie un livre intitulé « Le chant russe des expérimentations », consacré à l'histoire du punk sibérien et de son groupe, où il fait paraître une sélection de poèmes de Yanka. En 2003 paraît un premier livre de poésie. Celui dont je me suis servie pour écrire ce texte est une anthologie de près de 100 poèmes, édité par sa maison de disques. De Yanka, il reste des photos, les vidéos filmées lors de ses concerts, quelques vidéos de répétition, des cassettes audio. Elle n'a jamais cherché la notoriété, elle détestait les interviews. Quand on venait la voir pour lui poser des questions, elle répondait par monosyllabes. Elle disait « Je ne comprends même pas comment on peut donner une interview à quelqu'un. Je pourrais mentir. Je dirais une chose et 10 minutes plus tard, je penserais le contraire. Et puis tout le monde lirait ça. Une personne n'est vraie que lorsqu'elle est seule. Dès qu'on est avec une autre personne, on est déjà en train de jouer. Quand je suis là, à fumer, à discuter avec tout le monde, c'est moi ça ? Je ne suis vraie que quand je suis complètement seule ou que je chante mes chansons sur scène. » Et même ça, c'est comme quand un avion passe, les lumières brillent, une ligne en pointillé se trace. C'est à cette distance-là de celle que je suis quand je suis seule. Ces morceaux étaient un lieu de sincérité absolue. Longtemps, elle n'arrivait pas à créer son groupe, à trouver des musiciens pour jouer avec elle car elle était une femme. Elle jouait de la guitare acoustique et n'avait pas les moyens d'acheter un instrument électrique ni un ampli. Mais elle avait ses chansons et elle chantait cette chanson. Tu ne la tueras ni ne l'étrangleras. Son souffle vital était tenu dedans. Ses textes étaient féministes, sans qu'elle se proclame féministe. Le seul balai qui apparaît dans ses textes sert à foutre le camp. Elle dit la grande envie de prendre le large, de déserter toutes les structures imposées, et la féminité en faisait partie. Yank a porté toujours des jeans et des chemises de bûcheron, des vêtements de seconde main. Si ses chaussures se déchiraient, elle n'hésitait pas à se chausser de sacs plastiques et à sortir dans la neige avec. Elle ne se maquillait pas,
refuser les attributs physiques de la féminité. Ces lettres, elle les écrivait souvent au masculin. En russe, c'est très visible car on ajoute un « a » à la fin des verbes lorsque c'est une femme qui parle. Elle se faisait appeler Yanush, un prénom d'homme, plutôt que Yanka. On ne sait pas si derrière, il y avait une vraie identification à l'autre sexe, un désir de transition, ou si c'était une nécessité pratique, se grimer en homme pour survivre dans le monde où elle évoluait, comme l'ont fait tant d'écrivaines par le passé. Dans ces textes, on retrouve des traces d'avortements, d'agressions et de viols, notamment dans celui-ci dont j'ai traduit des extraits, « Brûle, brûle, flamme ». Ne m'aura pas, ne m'attrapera pas, pas rattraper, pas voler. Casser des dents, c'est du boulot. Ni me vendra, ni me baisera. Cette chanson, tu ne la tueras ni ne l'étrangleras. Cette chanson, tu ne la tueras ni ne l'étrangleras. Entraînant la par terre sur la route, diluant la boue dans les sanglots, ils ont déchiré ma nouvelle jupe et me l'ont fourré dans la bouche. Brûle, brûle, flamme, surtout ne t'éteins pas. Gloire à toi, grande nation travailleuse. Grande et puissante action victorieuse. La maison brûle, le salaud ne voit rien. Il s'est bourré la gueule et s'est battu. Il ne se souvient plus qui a traité l'autre de salaud en premier. Brûle, brûle, flamme, surtout ne t'éteins pas. Не поймаешь, не догнал, не воровали, без труда не выбьешь зубы, не продашь, не наебешь. Эту песню не задушишь, не убьешь. Эту песню не задушишь, не убьешь. Дом горит, козел не видит, дом горит, козел не знает, что козлом на свет родился, за козла и отвечать. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. На дороге я валялась, грязь слезами разбавляла. Разорвали новую юбку, да заткнули ею рот. Злася великий рабочий народ. Непобедимый, могучий народ. Дом горит, козел не видит, он напился и подрался. Он не помнит, кто кого козлов впервые обозвал. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Лейся песня на просторе, залетай в печные трубы, рожки, ножки черным дымом по красавице земле. Солнышко смеется громким красным смехом. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Le brûle, brûle, flamme, surtout ne t'éteins pas, rappelle le fameux « It's better to burn out than to fade away » de Kurt Cobain. Yanka Diaghileva est morte en 91, à 24 ans. Elle est partie marcher dans la forêt et n'est plus revenue. Yanka Diaghileva est morte en 1991, à 24 ans. Elle n'a pas vu l'Union soviétique tomber en morceaux. Moi, le 1er avril 1991, je quitte la Russie avec mes parents et j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, près de Paris, quelques mois avant que l'Union soviétique ne tombe en morceaux. Le 9 mai 1991, Yanka Diaghileva quitte l'izba familiale. La journée était épuisante. Elle vient d'arriver. La voilà face aux reproches de son père. Elle va marcher dans la forêt. C'est le seul lieu où s'échapper. Ses baskets s'enfoncent dans les sentiers boueux. Il a plu récemment. Elle aime suivre l'odeur des sapins, puissante, impérieuse. La fraîcheur de l'air sur sa peau l'incite à continuer plus loin.
L'allée se divise en petits chemins. Elle grimpe sur un sentier à flanc de colline. L'odeur des pins l'attire comme un aimant. C'est une odeur médicinale, une odeur qui soigne. Elle s'engouffre encore. Elle fume en marchant, jette son mégot sur le sol. Par-ci, par-là, on sent qu'on a allumé des feux, grillé de la viande. Dans une clairière, elle tombe sur un bidon d'essence et quelques bouteilles vides. Sa connaissance doit la rejoindre à la tombée de la nuit. Il lui semble que le lieu de rendez-vous n'est pas loin d'ici. Elle continue un peu plus loin, suit le ruisseau qui clapote sur les fières. Elle devrait arriver à un lac. À une clairière, les chemins se séparent. À partir de là, les hypothèses fourchent. Allait-elle vraiment retrouver quelqu'un dans la forêt, comme certains le prétendent ? Était-ce une amie, un amant, quelqu'un qui lui devait de l'argent, quelqu'un à qui elle achetait quelque chose ? Peut-être aussi qu'elle était seule, comme le disent d'autres, et qu'elle a croisé un groupe de voyous ivres. C'est une hypothèse souvent retenue, bien que la police ait privilégié la piste du suicide, la plus confortable pour suspendre l'enquête. Igor Letov a prétendu qu'on avait trouvé des traces de blessures sur son corps. Il a souligné que dans ses poumons, il n'y avait pas d'eau, ce qui pousserait à croire qu'elle ne s'était pas noyée, mais qu'on l'avait tuée avant de l'acheter dans l'eau. Le corps de Yanka Diaghileva a été retrouvé dans un lac une semaine après sa mort. Il n'y a rien à romancer, même si morte jeune, tout est là pour en faire un mythe. On l'appelle la Patty Smith russe, mais Patty Smith est encore vivante. Sa mort nous dit surtout qu'une femme libre ne vit pas longtemps en Russie. On ne sait pas qui Yanka fuyait et qui elle a rencontré. Igor Letov et elle étaient séparés depuis plusieurs mois. Les amis de Yanka confirment qu'elle souffrait d'une dépression pendant les mois qui ont précédé sa mort, mais ne croient pas à la thèse du suicide. Certains amis disent avoir reçu des cartes postales de sa part dans lesquelles elle prenait des nouvelles et leur souhaitait du courage pour la suite de la route. Igor Letov a prétendu qu'elle lui aurait laissé une lettre d'adieu avant de reconnaître avoir menti. Igor Letov meurt en 2008 chez lui à Omsk d'un arrêt cardiaque. En 2022, en Russie, le punk est à la mode. Beaucoup de jeunes ont les cheveux verts ou roses et c'est à peu près la seule liberté qui reste. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Direction Aurélie Olivier. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Prise de son, Pauline Guiffard. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Merci beaucoup. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.